Les câbles aussi ont été coupés.
Ok, Nak, ouvre la porte. Alors c'est là le cœur du centre de commande ? Quel bazar ! Je comprends pourquoi ça fonctionnait pas tout le temps. C'est en réparation. Voyons si ça continue à marcher si on coupe le courant. Attention à toi, Gundar. Il est sur nous, c'est sûr. On va le trouver. Par ici, Nak. Nak, je t'attendais, mon cher.
Gundar. Tu t'obstines à aider les humains, ce que je vois. Tu crois être de taille face à nous. Et comment? Dans ce cas, approche. Et réglons ça entre toi et moi. Te voir, Nak. Tu arrives à temps pour être anéanti. Ouais, on va voir ça. Trop mignon. Un petit toutou. Toutou? Assez. Il n'y a que moi qui ai le droit d'insulter Lucas. Ouais. Quoi? Laisse-moi te présenter mes fidèles compagnons, Nak. Notre combat s'achève ici. Massacrez-le. Terminez-le. Parfait. Xander est là. Et Gundar utilisait ses machines pour envoyer les signaux. Ouais, il y connaît rien. Il a quand même réussi à activer les robots. Vous dites ça comme si c'était bien. Oh, Lucas. Le problème, ce n'est pas les robots, mais qui les manipule et ce qu'on en fait. Tiens, prends cet artefact. Je l'ai tout de suite reconnu. C'est une source d'énergie conçue par Yurik pour alimenter le centre de commande. Je m'étonne que tu ne l'aies pas compris. Tu vois,
Il s'insère parfaitement dans cette dynamo comme une main dans un gant. Si vous saviez ce que c'était, pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite ? Certaines choses doivent rester secrètes. À présent, je vais retourner les armes antiques contre les hauts gobelins. Armes, réveillez-vous toutes. Comment ça ? Mais non, au contraire ! Attendez, écoutez-le. Tu étais au courant ? Non, mais je suis sûre qu'il a un plan. Il faut lui faire confiance. Ava, le plan, c'était d'arrêter les robots et les gobelins. Et c'est fait ! Oh, tu sais ce qui m'ennuie le plus chez les gens comme toi, Lucas ? Le manque d'ambition. Imagine ce qu'on pourrait accomplir avec toute une armée de guerriers robots invincibles. Allez. Nous pourrions changer le monde. Il est temps d'arrêter ça. Nak ! Non ! Arrête. Ils sont de notre côté. Laissez-nous expliquer... Tu te fais des illusions, ma chère Ava. Mais essaie. Vous allez nous aider ? Ava, non ! Impossible. Tu vois, ils sont totalement incapables de comprendre notre mission. Allons-y, Ava. Non, mais on peut pas les laisser je là. Je sais bien que tu les apprécies, mais n'oublie pas notre mission. Et notre mission est d'améliorer le futur de l'humanité. C'est notre voie. Il ne leur arrivera rien. Tu viendras les chercher quand tout sera terminé. Il y a de la place pour eux dans mon nouveau monde. Il ment, Ava. Ava ? Me fais-tu confiance ? Bien sûr. Je suis désolée. Ava ! Tu t'en sortiras pas comme ça, Xander. C'est ce que tu crois. Les enfants ! Montrez à Nak ce que je vous ai appris.
La détruit, bien sûr. T'aurais pu arrêter Xander. T'es au moins 4 fois plus grand que lui. Ça doit être sympa de regarder les choses de loin. Le combat, c'est ton affaire. Moi, je m'occupe de la stratégie. Super ta stratégie, mon pote. C'est toi qui as donné l'artefact à Xander. Eh ben, essaye de le battre, ça impressionnera Ava. Oh, Nak, c'est incroyable. Oh, Nak, t'es tellement fort. Lucas, grandis. Hey, Nak. Ouais. En fait, je voulais pas être méchant. Tu sais, c'est pas à toi que j'en veux. C'est à Ava. Moi aussi. Comment elle peut préférer ce Xander à nous? On est géniaux. Grave. On est piégés aussi. On va trouver une solution pour se sortir de là. Ok. Déjà, on a un avion en miettes. Et quelques arbres aussi. Et plein de débris de robots. On n'est pas prêt de partir d'ici, hein? Ouais. Peut-être que le docteur enverra Ryder nous chercher. Xander le laissera pas faire. Il y a forcément une solution. Mais je vois pas quoi. La nuit porte conseil, comme on dit. Allez, repose-toi. Peut-être. Ouais, faut voir.
Nak ! Je crois que j'ai une idée ! C'est pas conventionnel. Il est fait de bouts de robots désossés. Alors oui, il est bizarre. C'est parti. T'es vraiment sûr que ça va marcher? Oui. J'espère. T'es prêt? Ouais! C'est parti! Direction le manoir du docteur! Tu peux te mettre à l'aise! Le voyage va être long! C'est pire que je pensais. J'espère qu'ils vont bien. Fais ce que t'as à faire, mon pote.